Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dimanche 12 avril, 25e jour de confinement, donc il est temps de recasser cette routine en lien avec la sédentarité chez soi, évidemment en télétravail également. Voilà, donc nous allons commencer directement la séance, je vais juste vous montrer une petite technique pour se relever. Je l'avais promis lors de ma dernière session vendredi, se relever sans les mains. Donc je suis assis et regardez, avec une flexion de jambe ici, je vais pouvoir me relever tranquillement sans les mains. Donc si vous êtes en difficulté, c'est une technique qui évidemment permet de se relever beaucoup plus facilement. Pour revenir à la position debout, je vais mettre en place le petit matériel. Donc je repousse ici le tapis dont je n'ai pas besoin. Je vous rappelle que ces séances se pratiquent sans matériel, juste deux serviettes. Et aujourd'hui, éventuellement, soit un step, soit une marche d'escalier. Ou si vous n'avez pas l'un ou l'autre, faites-le au sol, ça marche aussi. Je vais mettre la petite chaise ici en place. Voilà. Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Welcome to everybody, hope you are well. We are going to start now for stretching. On commence maintenant pour le stretching, par le stretching sur une chaise, ici. Autant d'habitude, on a l'habitude de le faire au sol. Aujourd'hui, on va le faire sur la chaise comme on l'a fait d'ailleurs vendredi. Ça sera un petit rappel. Donc, position habituelle ici en fente avant pour bien étirer les muscles de la partie antérieure, c'est-à-dire devant la cuisse, devant le bassin, sur la partie basse des abdominaux également. Et là, on descend un petit peu vers le bas et on se laisse aller vers l'avant, juste avec le poids du corps. Voilà, on maintient la position tranquillement. Et ensuite, on va faire une petite rotation à l'opposé de la jambe qui est tendue. Donc, je vais aller placer ma main gauche sur la jambe droite en ce qui me concerne et je vais essayer de déverrouiller un petit peu le haut du corps. Voilà, je vais me redresser tranquillement et je vais positionner la jambe qui était fléchie tendue sur la chaise dans cette position avec la main au-dessus du genou sans appuyer, avec juste le poids du corps, le poids des membres supérieurs, et une petite descente vers l'avant pour bien relâcher la partie cette fois-ci postérieure des jambes, mais aussi du bas du dos qui au réveil sont un petit peu bloqués. Donc on descend tranquillement sans forcer, on fait beaucoup moins d'étirements au début qu'à la fin des séances pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment de s'étirer complètement avant de faire des exercices, surtout s'ils sont intenses, ça peut désorganiser la biomécanique des articulations et du corps. Et puis la deuxième chose, c'est que on va progressivement s'échauffer d'une manière active avec des exercices que vous ferez tout à l'heure dans le circuit à dominante step, c'est-à-dire marche d'escalier. Maintenant, on va tourner sur le côté de façon complètement latérale. On va poser les mains sur les hanches et puis on va basculer le bassin vers le bas au niveau de ma jambe tendue. Donc la partie du bassin qui est à ma droite ici va aller vers le bas pour étirer cette fois-ci les faisceaux des adducteurs qui se trouvent ici pour justement retravailler ces faisceaux qu'on n'a pas eu l'occasion de faire en fente avant, c'est-à-dire sur le premier exercice. Voilà, c'est confortable, on est debout, on est en bonne position. On va rester sur cette posture et maintenant on va essayer d'augmenter encore un petit peu l'extension, mais cette fois-ci sur le côté opposé, en plaçant le bras ici au-dessus de la tête et sur le côté. On relâche et on revient deux fois. On relâche à nouveau et on revient trois fois. Sans insister, vraiment on est sur le poids du corps. Et si vous avez des petits soucis de blessure ou de tension, n'allez pas trop fort, surtout en début de séance. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie médiane, c'est-à-dire toute la partie du dos postérieur. Rappelez-vous, la chaîne musculaire part de la base des cervicales jusqu'au talon, en dessous des talons d'Achille.
Et donc on va faire un petit enroulement au niveau du dos, toujours avec un appui sur la chaise avec les mains, pour justement ne pas créer de tension trop importante avec le poids du corps vers le bas, ce qui pourrait générer des petits soucis au niveau des lombaires. Je prépare ma petite serviette, voilà. Et on va ici se redresser et enrouler progressivement la tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, reprendre appui ici sur la chaise et descendre doucement en fléchissant les bras, voilà, à votre niveau, en fonction de votre souplesse évidemment, pour arriver à une tension évidemment au niveau de la partie postérieure des jambes et du dos. Donc on reste un petit peu dans cette position et puis ensuite on va venir croiser ici une jambe avant devant la jambe arrière qui est tendue pour venir bloquer la jambe et on va se concentrer uniquement sur une jambe. Ça va permettre de se focaliser sur cette jambe là en basculant le bassin vers l'avant et vers le bas ici. Vous voyez, j'étais ici, je bascule le bassin pour bien travailler et me concentrer sur cette jambe. Et je relâche tout doucement et je passe à la deuxième jambe, une jambe tendue, une jambe fléchie qui vient devant et se positionner à la hauteur de la première jambe. Et là, je descends doucement et je me concentre sur la jambe arrière ici qui est tendue. Et j'essaye de gagner un petit peu en souplesse en basculant le bassin vers le bas et le haut du corps vers le bas. On va rejoindre maintenant les deux appuis. On va fléchir ici, replacer le dos droit, voilà. Et maintenant, on va pouvoir se relever ici. On est en position face à la chaise. On va utiliser cette position pour faire un petit travail écart comme on le faisait habituellement ici. Voilà. On va descendre doucement avec le bassin entre la jambe, le genou droit et le genou gauche. Et puis on va s'appuyer sur la chaise de façon très confortable pour relâcher la partie médiane du bassin. Avec, regardez, la pointe des pieds qui a tendance à aller plutôt vers le haut que plutôt sur le plan horizontal au niveau du sol. Voilà, maintenant on va réunir les deux genoux ici au milieu. On va maintenant étirer le haut du corps. Pour cela, on va mettre la chaise un petit peu plus loin ici et on va tranquillement se relâcher ici. On relâche. Vous voyez que le dos est relâché dans cette position et en même temps, il y a uniquement le poids du corps qui permet de détendre les épaules vers le sol. On recommence. Ici, on s'allonge un petit peu et on descend sans trop cambrer au niveau de la nuque. On inspire et on souffle pour bien accentuer l'amplitude de l'étirement. Voilà, on relâche à nouveau, on repositionne le dos, on rapproche la chaise ici vers soi, on va poser une main sur l'assise de la chaise, une autre main sur le dossier de la chaise en haut du côté opposé. Et là, on va se concentrer cette fois-ci sur un des deux bras. Voilà, on peut très bien poser le coude aussi pour bien travailler sur l'amplitude articulaire de l'épaule, chose qu'on ne fait plus ou peu aujourd'hui, notamment dans les bureaux chez soi, parce qu'un écran égale une position assise et il y a peu de mouvements à faire chez soi. Pour ne pas vous tourner le dos, je vais me mettre sur l'autre côté. On inverse les bras et on positionne la main sur l'assise, sur le dossier, pardon, et l'autre bras sur l'assise. Là, on descend doucement. Regardez, je regarde du côté opposé. Je ne regarde pas du côté du bras, je regarde du côté opposé, c'est-à-dire vers vous. Voilà, je descends doucement. Et je me redresse. Je profite que la chaise est de l'autre côté pour maintenant travailler sur la deuxième jambe.
on va se positionner ici. Voilà. Et cette fois-ci, on va basculer le bassin. C'est-à-dire toute cette partie-là, je parle pour les enfants qui n'ont pas encore fait d'anatomie à l'école, n'est-ce pas? Basculer cette partie vers le bas pour retrouver un petit stretching ici au niveau des adducteurs. Voilà. J'évite de basculer le haut du corps, c'est uniquement le bassin, ici, sur ma partie gauche, en ce qui me concerne, qui se dirige vers le bas avec la jambe tendue, point des pieds, vers le haut. Et là, je vais refaire la même gestuelle que tout à l'heure de l'autre côté. Je vais passer le bras sur le côté et venir ici étirer tout le côté opposé. Donc, vous voyez que dans cette position, nous avons un étirement ici au niveau de la jambe tendue, adducteur en l'occurrence, plus un étirement sur la partie du tronc opposé à cette jambe. Donc, c'est un mouvement qui est très rentable parce qu'on travaille deux parties du corps qui sont opposées. Et donc, on est vraiment dans l'optimisation du temps pour la pratique. N'hésitez pas à faire ce mouvement au bureau, ou chez vous en télétravail, ou le dimanche en famille, comme ici. Voilà, on va relâcher. Et maintenant, on va se diriger vers la jambe tendue avec la cheville flex. La cheville flex, c'est la cheville ici qui vient fléchir vers soi. La cheville en extension, c'est une cheville qui vient ici avec la pointe des pieds dans le prolongement de la jambe. Donc là, je me mets en cheville flex ici, avec flexion du pied vers moi. Et là, je viens doucement vers l'avant, avec une belle expiration et inspiration pour redonner un peu d'amplitude au mouvement. Et là, je me relâche et je viens ici en fente avant. Je me repositionne légèrement vers l'arrière. Et je me laisse mourir, je me prends appui sur le dossier de la chaise, comme ici. Voilà, je vais me repositionner au centre de la caméra. Et là, regardez, c'est une position qui est confortable, qui est efficace et qui est pratique où on étire la partie antérieure de bassin, cuisse et un petit peu ici en bas des quadriceps. Et évidemment, la partie adducteur. Adducteur, c'est la partie qui permet de rejoindre les deux jambes vers l'intérieur. Adducteur, c'est jambes serrées, les muscles qui permettent de serrer les jambes. Et les abducteurs, ce sont les muscles qui permettent d'écarter les jambes. Là, on est vraiment en stretching complet au niveau adducteur et puis le psoas iliaque, le fameux psoas qui permet de positionner ici le bassin selon les mouvements qu'on fait. Voilà, on va relâcher tranquillement. Je vais ranger ma petite chaise. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Vous allez bien? Vous êtes en forme? Vous avez bien récupéré de la séance de vendredi à base de gainage? Alors, cette séance-là, on va la modifier encore. On va alléger un petit peu, notamment les parties latérales qui sont difficiles pour certaines et pour certains. Donc, vendredi prochain, évidemment, on va proposer évidemment des variantes et en même temps alléger un petit peu cette partie latérale qui pose problème à certaines, sous le contrôle évidemment de mes spécialistes du monde médical qui font des retours intéressants à ce niveau-là. Alors, nous avons ici un step qui va matérialiser une première marche d'escalier que vous pouvez avoir chez vous ou pas. Si vous n'avez pas de marche d'escalier chez vous ou que vous êtes plusieurs, vous tournez. On peut travailler à plat ou sur la marche. Donc pour l'échauffement, on va simplement commencer à se mobiliser, toujours pareil, avec des petits demi-squats, pas chassés. Et le pas chassé, on va le faire sur la marche. D'accord? Donc le premier exercice, ça va être de se décaler sur le côté et de faire un appui ici sur la marche et de revenir ensuite au sol, à plat, sans la marche d'escalier. On y va? Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va inverser les rôles.
même si ça n'a pas beaucoup de conséquences sur le corps humain, pour 10 mouvements c'est très peu, donc vous ne marcherez pas de travers si jamais vous travaillerez qu'une partie du corps ou qu'un exercice. Donc on va le faire de l'autre côté ici, flexion, rassemblez les pieds et flexion ici, on rassemble les jambes, flexion, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, on relâche. Maintenant on va faire la même chose avec un quart de tour. Donc ça va se présenter comme ça. On va faire un premier appui ici sur le step. On va monter dessus et un deuxième appui ici. Monter dessus, troisième appui. On y va. Si vous n'avez pas de step, vous le faites au sol. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5, etc., etc. Attention, c'est parti, on monte dessus. Voilà, et ensuite on va descendre avec une flexion. On remonte. Flexion à nouveau, le dos plat ici, et on remonte. Flexion, on descend. Flexion, on remonte. Flexion, on remonte. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Maintenant, on va passer au sol sur un échauffement abdominaux où on va avoir besoin de la serviette. La fameuse serviette des Jeux Olympiques de Londres, n'est-ce pas, professeur Mercier? Alors, nous allons faire un petit travail de coordination, d'échauffement et de mobilité au niveau du bas. Puisqu'on s'est bien étiré tout à l'heure, on va y aller progressivement et ces exercices-là vont être repris tout à l'heure dans le circuit. Donc, il va falloir se concentrer un petit peu. Je prends mon objet et ma gourde de boisson. Pensez à boire, c'est très important. Il y a deux choses. La boisson, très important. Et puis, manger un fruit juste après la séance, dans la demi-heure qui suit le circuit. C'est la meilleure chose pour récupérer au niveau de l'organisme après un effort. Donc, dans la demi-heure qui succède la fin du circuit, vous mangez un fruit ou un petit morceau, une barre de céréales ou quelque chose, et ça va vous permettre de mieux récupérer. Voilà, deuxième exercice d'échauffement ici. On va se mettre, voilà, ici sur le dos. On va remonter, je vais mettre devant, on va remonter légèrement le buste ici. On va faire un petit pédalage. Voilà, tout le monde a quelque chose dans les mains. Ça peut être une gomme, ça peut être un stylo, ça peut être... un gobelet, voilà, tout ce que vous trouvez. On commence à pédaler, comme ça on échauffe tranquillement les abdominaux, c'est pas trop difficile. Et là, je vais passer sous la jambe fléchie à chaque fois pour revenir de l'autre côté et changer l'objet d'une main à l'autre. Regardez, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Ok, on relâche. On relâche au sol et on va refaire un exercice de ce type-là. Qui inclut la coordination, qui inclut le renforcement et qui inclut la mobilité, donc c'est-à-dire l'agilité du bas. Si on est agile, vous voyez, ici j'arrive à me relever sans les mains parce que j'ai pris une position anatomique au niveau d'une des deux jambes qui est fléchie, mais tout le monde peut le faire, y compris à 80 ans, à partir du moment où on se positionne d'une bonne façon au départ. Alors, on va se repositionner, maintenant on va repartir sur une séquence de 20 mouvements ici. On va commencer à passer en dessous et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a fait des doubles donc ça fait 20, même si j'ai compté que 10. Donc à droite et à gauche on est sur 20. Je repose mon objet. On continue maintenant l'échauffement avec le fameux step. Ici ou sans step, mais l'intérêt ça va être de travailler la proprioception des épaules, c'est-à-dire tout le travail de gainage et d'équilibre au niveau du haut du corps, donc qui est important dans la vie quotidienne parce qu'on sera tous amenés à porter des objets, à être agile. Si ça se passe mal un jour dans la société, ben, il va falloir
quelque part, à avoir une certaine autonomie de fonctionnement sur le plan physique en tout cas. Donc tous ces exercices permettent de se prémunir de tout problème physique ou défaillance physique qu'on pourrait avoir dans la vie quotidienne, au travail ou ailleurs. Donc, on va se mettre ici en gainage et on va simplement monter une main après l'autre. Voilà, sur la marche de l'escalier, le step, ou ici tout simplement au sol. Voilà, là j'avance et je recule, vous voyez, bras tendu tout simplement. Ou, si j'ai un escalier, je fais ce travail-là sur la première marche. On y va ? Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche. On fait un peu plus court pour ne pas saturer le corps. Il est important que l'échauffement soit progressif et qu'on ne donne pas tout au début. Là, on vient de faire le premier bloc du circuit que vous aurez à faire tout à l'heure, c'est-à-dire demi-squat, demi-tour sur la marche d'escalier, le pédalo, et puis là, le travail de proprioception, c'est-à-dire de mobilité, au niveau du haut du corps, sans forcément fléchir les bras. On passe au deuxième bloc, ici, toujours sur l'échauffement. Voilà. Et là, on va simplement faire un saut pieds joints, tout simplement. C'est adapté à tout le monde, je pense. Et on va monter sur la première marche, si vous avez une marche d'escalier, ou si vous n'avez pas de marche d'escalier, si vous n'avez pas de step, ben vous faites tout simplement un petit saut avec un demi-squat avant et arrière. D'accord ? Donc on y va, on va faire 10 répétitions, c'est toujours l'échauffement. Et en même temps, on passe tous les exercices qu'on va reproduire tout à l'heure sur le circuit. Allez, on marque la position à chaque fois. L'important, c'est la stabilité que vous avez à l'arrivée avec l'amorti ici au niveau des jambes. C'est ce travail qui est intéressant et ce n'est pas la répétition ou le nombre de répétitions. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche tout. Donc là, c'était le saut pieds joints. On va passer maintenant au sol à nouveau pour la deuxième partie. Je range mon escalier qui est très très léger. Et on va passer à la natation. Alors pourquoi la natation? Parce qu'en fait c'est un sport qui est complet. C'est un sport de relâchement, mais à moins qu'on me l'ait caché, j'ai pas de piscine ici. Donc il faut quelque part retravailler cette coordination. Par contre, on va le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de faire brasse des bras, brasse des jambes, on va faire brasse des bras, jambes de crawl, en battement. Tout ça pour avoir gagné encore un petit peu, optimiser ce temps-là pour gagner en coordination. Donc ça se présente comme ça, allongé, avec une bascule du bassin, ce que j'appelle rétroversion du bassin. Alors qu'est-ce que c'est rétroversion du bassin? C'est une bascule du bassin vers l'avant, ici. Là, c'est une rétroversion qui permet d'éviter de cambrer le dos. Donc sur cette position au sol où on est plat ventre, il est important de rétroverser le bassin ici. On bascule le bassin en présentant le bas du bassin vers l'avant pour justement protéger la partie lombaire, c'est-à-dire le bas du dos. Et donc dans cette position-là, on va faire nos petits exercices. Bras de brasse et battement jambes de crawl. On y va? Là, on échauffe la partie lombaire. Alors, ici, on se met en position, les jambes ne touchent pas le sol, les bras ne touchent pas le sol. Et puis, on va faire des mouvements qui sont très lents. Voilà, et très amples. Toujours avec cet état d'esprit de réduire au maximum la cambrure du bassin. Voilà, là, je vais chercher très très loin. Et je ramène les bras de la même façon qu'au niveau de la brasse, tout en faisant des battements de jambes. C'est un exercice qui est très intéressant, évidemment pour la partie lombaire, à partir du moment où on positionne bien le bassin, mais aussi pour la partie épaule, sans contrainte et sans poids additionnel. Donc toute cette partie-là, au ras du sol, nous oblige à rester ouvert. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça peut être compliqué. Pour l'avoir pratiqué au niveau des équipes de France, avant, j'avais inclus parfois ces exercices-là, qui paraissent très anodins, mais qui sont très intéressants pour rebâtir ou bâtir les fondations, évidemment, de la préparation physique.
Voilà pour la natation, on est toujours sur le deuxième bloc où là on va travailler les push-ups. Cette fois-ci on va commencer à descendre au niveau des bras. Si vous êtes sur un escalier, vous pouvez utiliser la deuxième ou troisième marche. C'est-à-dire que plus vous allez être incliné ici vers le haut, plus ça va être facile. Plus vous allez descendre vers le bas, plus ça va être difficile. Vous aurez à charge tout le poids du corps qui va être sur les bras. Alors que sur une position beaucoup plus inclinée, vous aurez une bonne partie du poids du corps qui sera sur les jambes. Donc à vous de vous adapter en fonction de votre mobilier et puis de vos exercices. Si jamais vous avez ni mobilier haut, ni mobilier bas, ni escalier, vous le faites au sol sur une position gainage, planche, de cette façon-là, sur les avant-bras, et là vous risquez rien. Donc on va imaginer que vous avez une marche d'escalier. Donc on va positionner une fois une main uniquement sur la première marche. On va faire une petite descente, on va ramener la main, repositionner la main opposée cette fois-ci sur la marche et on va faire une petite flexion. Donc on y va, 1, 2, on prend son temps, 3, 4 et 5, ok. Là on relâche tout, on a fait le deuxième bloc qui sert d'échauffement, on va passer au troisième bloc où cette fois-ci on va travailler de façon un peu plus rythmée, en coordination mais rythmée, des petits pas qui vont monter et descendre sur le step. Ce que vous avez déjà vu pour celles et ceux qui étaient là dimanche dernier, ça se présente comme ça, ici, là, ici. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois, les deux pieds se rejoignent pour qu'il y en ait un autre qui démarre. C'est-à-dire que là, j'ai les deux qui sont alignés, il y en a un qui va démarrer, et le deuxième va rejoindre le premier et attendre qu'il soit arrivé pour redescendre. Là, c'est la même chose, je redescends, j'attends que le deuxième arrive pour envoyer le premier. D'accord ? Donc vous pouvez le faire soit sur la jambe droite, soit sur la jambe gauche. Allez, on y va. Donc avec les bras, évidemment, à l'opposition. Ici, on n'est pas comme ça. Les bras viennent toujours à l'opposition. Jambe droite, main gauche. Donc ça donne ça. 1, 2, 3. Allez, vous le faites avec moi. Et on va accélérer un petit peu. Voilà, là on va rester un petit moment sur l'exercice. Voilà les petits pas de face qui permet de retrouver une certaine agilité, coordination. Vous voyez que les épaules travaillent, le haut est à l'adéquation, on est rééquilibre avec les bras. Bras fléchis, ce sont les coudes qui travaillent vers l'avant. Ici, comme les sprinteurs en athlétisme, si certains sont spectateurs, je les salue, notamment Gaëtan Sakou, David Alert, champion du monde, Gaëtan Sakou, vice-champion d'Europe de triple saut, et que je croise régulièrement. Ensuite, on va passer sur la partie abdominale à nouveau, avec un exercice que vous connaissez pour celles et ceux qui étaient déjà présents sur les séances précédentes. Donc, on va regrouper les jambes, ici, rester en équilibre sans poser les pieds au sol, étendre les bras. Après, on va faire l'inverse. On va tirer sur les bras et pousser avec les jambes. Là, là, là. Si vous n'y arrivez pas, vous recherchez uniquement l'équilibre ici, et puis vous maintenez cet équilibre-là, avec peut-être des petites rotations, des petits exercices, mais vous n'êtes pas obligé de faire le rameur obligatoirement. Vous voyez, on a fait natation, maintenant on fait du canoë. Et on va de l'aviron, pardon, et puis on va démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Maintenant, on va passer au troisième exercice du troisième bloc, parce qu'il y a quatre blocs. Anytime there are three exercises on one block, there will be 4 blocks maximum, and now we are on the third block. Last exercise of the third block. On va passer au dips. Dips, c'est le travail de triceps ici, où là, pareil, soit vous avez une marche d'escalier, soit vous avez une chaise, et là, vous travaillez sur l'assise de la chaise, comme je vais vous montrer ici. On va le mettre dessus, voilà, comme ça on ne perd pas de place. Voilà, ça peut être ça.
plus vous allez être proche, plus ça sera facile. Plus vous allez vous éloigner, plus ça sera difficile. Donc si c'est trop dur pour vous, vous vous rapprochez tout simplement de la chaise. D'accord ? Donc ça permet de travailler les triceps ici. Biceps devant, triceps derrière. Ce sont deux muscles antagonistes. Moi je vais utiliser mon step puisque j'en ai un. Sinon j'aurais fait sur la chaise et puis sinon ben, je peux le faire ici aussi sur le bureau. Voilà, donc on va se positionner avec les mains ici perpendiculaires à l'axe des jambes et tout simplement soit fléchi, soit tendu, je vais descendre ici au niveau des bras et pour effleurer le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si c'est trop dur, vous restez là. 8, 9 et 10. On vient de terminer le troisième bloc, c'est-à-dire 3x3, 9e exercice, qui servent en même temps d'échauffement et de révision pour le circuit qui vous attend. On va réutiliser un nouveau bloc. Alors là, il y aura un travail de coordination qui sera un peu plus compliqué. Le quatrième bloc, ça va être pour celles et ceux qui sont un peu plus confirmés, ou même pour les débutantes, de toute façon, aux débutants, il faut essayer dans tous les cas. Où là, on va utiliser la jambe qui est du côté de la marche d'escalier. Ici, pour repositionner, toujours pareil, sur le même principe, je vais rejoindre toujours la deuxième jambe. J'attends que la deuxième jambe soit arrivée, réunie avec la première, pour redescendre à nouveau dans le sens opposé. Donc ça va donner ça, tout simplement. Là, on est 1, la jambe la plus proche monte sur la même position, sur le côté de la marge d'escalier. La deuxième, évidemment, elle ne va pas le rejoindre ici parce qu'il n'y a pas la place. Donc elle va aller ici devant. Ça, là. Vous pouvez déjà répéter cette position-là. 3, 4 et 5. Une fois qu'on est ici, on va descendre la jambe arrière. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va redescendre la jambe avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va redescendre ensuite la dernière jambe ici. D'accord ? Donc je démarre sur la jambe gauche en ce qui nous concerne. Je passe ensuite la jambe droite devant. La jambe gauche redescend derrière et la jambe droite redescend devant. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est de la coordination. 9. Et 10. Ok, on essaye de ne pas s'embrouiller. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est la jambe la plus éloignée de la marge d'escalier ou du step qui va monter dessus en croisée. Cette fois-ci sur l'avant, puisqu'elle ne peut pas venir ici. Ça serait un peu plus compliqué. On serait obligé de faire un demi-tour. Donc, je vais aller sur l'avant pour ensuite ramener la jambe arrière. Et là, je vais faire l'inverse. Tac, 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 tac. Je repose. J'attends que la deuxième jambe arrive pour remonter la première. J'attends que la deuxième jambe arrive pour redescendre la première. Ok, donc c'est le même principe, mais côté, cette fois-ci opposé, c'est la jambe extérieure ici qui va démarrer. On démarre doucement, ici. Là, voilà. Là. 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 Allez, on commence à positionner les bras. Ici. La jambe extérieure ici monte devant. Là. Et on accélère. Allez, 1, 2. Ça, vous devrez le faire tout à l'heure sur le quatrième bloc. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, parfait. On a fait le premier exercice du quatrième bloc. Et maintenant, on va passer au starfish. Bravo pour celles et ceux qui ont trouvé. Pas besoin de serviette, sauf si vous avez un carrelage au sol. Le parquet, ça va très bien. Et là, on va, rappelez-vous, l'exercice qui paraît anodin mais qui est un petit peu compliqué au niveau coordination, l'important c'est de garder une diagonale au sol. Donc si je ramène ce bras là à la jambe opposée, je vais garder le contact au sol avec la jambe ici et le bras opposé qui est derrière avec pas la paume des mains mais le dos de la main qui est au sol. D'accord ? Donc ça va donner ça. Regardez, les deux autres appuis restent au sol. Là je vais aller toucher soit la pointe des pieds, soit la semelle pour le plus souple, soit la cheville. Là, je ramène, j'attends que les deux soient au sol pour repartir. Ensuite, de l'autre côté, et là, il y a contact, et ici,
au niveau du bras opposé, il y a contact. Et là, je vais aller chercher ma semelle. Là. Allez, on y va. 3, 2, 1, 2, 3, 4. On essaye de garder les jambes tendues. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, mes jambes, elles sont fléchies naturellement. Même quand elles sont tendues, elles sont un peu fléchies. Donc, c'est la position des judokas qui recherchent la baisse du centre de gravité. Maintenant, on va passer aux petits burpees. Les petits burpees. Alors, soit vous avez une chaise ici, et c'est beaucoup plus facile parce que vous n'avez pas à descendre au sol avec les mains, ou sur la marche d'escalier. Donc, plus c'est relevé, plus c'est facile. Et là, je vais allonger le corps tout simplement et faire un petit saut vers le haut. Ça donne ça. Là. Là. Gainage. Là. Flexion des bras. Là. Ok. Ça, c'est la première version. La deuxième version concerne notre ami la marche d'escalier ou le step, si vous en avez un. Et là, je vais faire la même chose. Sauf que, à la fin, je vais monter sur le step. Donc on va faire poser les mains ici, corps tendu, corps fléchi, monter sur le step. Là on est sur le dernier exercice du quatrième bloc. Et pour les plus confirmés, la flexion, monter et monter. Voilà, on a fait le tour, on est chaud, on a appris les mouvements. Petite récup, boisson, on s'éponge un petit peu et puis on va démarrer le fameux circuit sur les trois premiers blocs dans un premier temps. Récupération à nouveau et les quatre blocs ensuite. Et après on fera un point et en fonction de l'heure, en fonction de votre fatigue, on fera un petit challenge à la fin. Petit quiz, alors petit quiz en attendant. Est-ce que vous connaissez le finaliste des Jeux Olympiques de Londres qui a perdu contre Teddy Riner? Donc vous avez 5 petites minutes à peine pour répondre à la question. Je vous laisse réfléchir. Alors j'espère qu'il n'y a pas de judoka, parce que la réponse va être... facile, c'est une question à un point, donc toujours pas de réponse. Je demande à la régie de relancer la question. La régie, si vous m'entendez, relancez. Vous avez maintenant 1 minute 30 pour trouver la solution. Je vérifie sur l'écran de contrôle. Voilà, donc quel est le finaliste qui a perdu contre Teddy Riner en finale des Jeux Olympiques de Londres en 2012? C'est la question, il reste 45 secondes. Avant de reprendre le circuit. Secondes. Ça tend. Donc la réponse était le russe Mikhaïlin, qui était le gendre de Vladimir Poutine d'ailleurs, qui était présent dans la salle sur la finale des Jeux Olympiques de Londres. Et si vous êtes sage, je vous passerai quelques images tout à l'heure de cette finale où j'étais présent. Voilà, on va démarrer par le circuit. On va faire des séquences de 20 secondes, 15 secondes de récup et on enchaîne les 3 premiers blocs. We start now for the circuit of 3 blocks of 3 exercises and we start in 10 seconds. Allez, on est prêt, on va commencer. Alors, premier exercice ici. Là, là, là. 3, 2, 1, go.
Allez, on y va. Belle flexion. On respire bien. Allez, on se régale. 3, 2, 1, stop. Ok, on passe au pédalo maintenant. On met la serviette en place. La petite serviette qui est là. Et le petit objet, n'oubliez pas. Soit une télécommande de télé, ce que vous voulez. 1, go. Allez, on remonte bien le buste. Et on essaye d'accélérer sans tomber. Évidemment, le petit objet. On va chercher. 2, 1, stop. Ok. Maintenant, on va passer sur la marche d'escalier ou au sol, comme vous voulez, avec changement de main ici. Prêt? 3, 2, 1, go. Allez, c'est à vous. Voilà, on y va progressivement. Là, il y a un beau petit gainage à faire en même temps. Belle proprioception du haut. 3, 2, 1, stop. Ok. Donc là, on a fait le premier bloc. Second block now with three exercises. We start in 30 seconds. Pieds joints ici. 2, 1, go. Allez. Marquez la petite position. Surtout sur la descente, en excentrique ici. Ça s'appelle de l'excentrique. C'est quand on amortit le saut. 3, en bas. 2, 1, stop. Ok. Et là, on passe à la natation. Bravo pour celles et ceux qui ont trouvé. Comme le quiz. On va faire un quiz. Circuit. 2, 1, go. Allez. On donne le maximum d'amplitude vers l'avant. Battement des jambes. Bras de brasse. Jambes de crawl. Rétroversion du bassin. 3, 2, 1, stop. Ok. Ça s'est bien passé. Alors maintenant, on va faire les push-ups décalés. Ici. Là, on remonte, on attend. On redescend. Si c'est trop dur, vous faites la même chose que tout à l'heure. Ici. 1, 2. Voilà. Si c'est trop dur, vous ne fléchissez pas les bras. Vous restez bras tendus. Comme tout à l'heure. Il y a toujours ce petit gainage intéressant. 2, du bassin. 1, stop. Ok. Donc là, on a fait le deuxième bloc. On va passer au troisième bloc. Avec les petits pas, si vous n'avez pas de step, vous le faites au sol. Sinon, avec le step. Ici. 2, 1, go. Allez, première marche d'escalier. On se serre des bras. Après, il y aura le rameur. On va faire de l'aviron. 3, 2, 1, stop. Ok. Ça se passe bien. Là maintenant, on va passer au rameur. L'aviron sans eau. Tout est possible. Un problème, une solution. On rassemble les jambes. 2, 1, tendu. Go. Soit on reste là, soit on fait la petite traction avec jambes tendues. Là, 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 là. Et après, il y aura les dips avec les triceps. 3, 2, 1, stop. Super. Hop là, on passe au dips. Ici. Soit sur la chaise, soit sur le bureau. Soit sur le step. Ici. 3, 2, 1, go. Voilà. Rappelez-vous, plus je resserre les jambes comme ça, plus c'est facile. Plus j'éloigne les jambes, plus c'est difficile. Parce que le poids du corps vient vers le haut. 3, 2, 1,
Stop. Ok. On récupère. On a fait les trois blocs. We made the three blocks. Rest now and recovery. And in three, some minutes we start two, with... One. Go. With four blocks. Ok, on fait une récup. Après la récupération, on va faire 4 blocs. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Maintenant qu'on est chaud, bien rodé sur les exercices, on va pouvoir enchaîner sur le quatrième. Une fois. Et après, on verra où on en est. Petite boisson, il fait chaud davantage dans cette période. L'air s'est réchauffé. Donc, pensez à boire régulièrement. Après, si vous transpirez, c'est pas vraiment un problème. Moi, je vais ouvrir un petit peu. Je vais regarder ce que vous en pensez. Toutes et tous, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en forme? Alors, c'est incroyable. Je pensais que tout le monde savait que... Pas tout le monde. Une partie, en tout cas, au moins quelques judokas, savaient que... Teddy Riner avait battu un russe à la finale des Jeux Olympiques de Londres. Et puis je poserai une deuxième petite question tout à l'heure aussi. Voilà, récupérez bien, on va redémarrer dans 1 minute 30. 1 minute 30, voilà, on va se donner un peu plus. Mais attention à vous, ça va être un peu plus long. Donc on va rester sur les 20 secondes, mais privilégier la qualité des mouvements, c'est-à-dire l'amplitude, la longueur des gestes, plutôt que les petits gestes. Et aussi évidemment la coordination qui peut y avoir. Si vous êtes élégant, c'est que c'est bon, quelque part. Si vous êtes un petit peu tordu ou machin, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas encore le mouvement. Mais ça va venir. Alors, je fais un petit reset pour repartir et pas me retrouver avec un chrono à zéro. Dernière petite gorgée, ça démarre dans 30 secondes. Je ne suis pas gentil avec vous, hein. Si vous n'avez pas répondu à la première question, pendant les exercices, j'allais réfléchir à la deuxième question. Quelle est la quatrième cause de mortalité évitable au monde? Quelle est la quatrième cause de mortalité évitable au monde? Voilà, donc ça sera à la récup suivante qu'on va essayer d'y répondre. Allez, on va commencer par le fameux squat ici, demi-tour, là et là, dans... Exactement 10 secondes. Vous connaissez les exos, essayez de l'améliorer. Je suis prêt. 3, 2, 1, go. Ah, là. Allez. Je vais demander à la régie de monter un petit peu le son pour nous encourager. Merci la régie. Allez. 4. 3. 2, 1, stop. Ok, on perd pas les pédales, on se met au pédalo maintenant avec le petit objet que vous avez déjà préparé, évidemment. On est prêt. Ici. 3, 2, 1, go. Allez. Je vais essayer de ne pas le tomber. Si je le tombe, je pense qu'il y en a qui m'attendent au virage. 3, 2, 1, stop. Ok, merci la régie pour monter un petit peu le son pour nous encourager. On va être ici. 3, 2, 1, go. Allez. Three, two, one.
passe à la natation. Allez, Madame la ministre, natation. 2, 1, go. Allez. S'applique. 3, 2, 1, stop. J'ai toujours été nul à la natation. Troisième, bloc, là, petit pas, ici. 2, 1, go. Allez. Regarde devant, là. C'est bon ça. Ouah, c'est plus bon. Je suis pas tombé. Ma fille qui aurait aimé me voir tomber, mais je ne suis pas tombé. Ça pourrait arriver. Alors, rameur, ici. 2, 1, go. Allez. On tient bien sur les omoplates, ici. Là, 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 là. Allez, l'aviron. Et ça sera les dips. 3, 2, 1, stop. Un sous-dips ici pour finir le troisième bloc. Quatrième bloc. Rappelez-vous, ici. Attention. Là. 2, 1, go. Là. Attention, là, c'est. Après, ça se passe par fiche. Allez, allez. Ok. Come on. Starfish. Ici. On est prêt pour les burpees. Merci. Merci. Ouh. Ah, c'est bon.
On prend les pulsations cardiaques dans 10 secondes, pulsation. Allez, on est prêt. Dans 10 secondes, pulsation ici, carotide. Là, à 0. 3, 2, 1, go. C'est à vous. Vous aurez 20 secondes. 20 secondes multipliées par 3. On révise la table de multiplication, comme là. 3, 2, 1, stop. Ok. Voilà, vous multipliez par 3, vous obtenez votre résultat de fréquence cardiaque, même si ce n'est pas au pied de l'exercice. Et on fera un petit travail de... une reprise de pulsation dans une minute. Exactement. Je vous laisse faire votre table de multiplication, vous pouvez l'annoncer si vous voulez. Le professeur Verset vous fera le petit commentaire s'il est... s'il peut. Et puis nous, on démarre dans 20 secondes pour la deuxième prise de pulsation cardiaque, l'indice de récupération et le delta qui est entre les deux, qui est important. Je rentre mon chrono. 7 secondes. Allez, 10 pour vous. Dans 10 secondes, on reprend les pulsations. 3, 2, 1. Go. C'est à vous. Alors ne comptez pas systole et diastole, des fois c'est deux petites marques qui se rejoignent et qui se sont très serrées. Comptez que les grosses pulsations. 3, 2, 1, stop. Et voilà, donc vous multipliez par 3 et vous avez la récupération, la fréquence cardiaque en récupération au bout d'une minute, qui est un petit peu le générique qu'on utilise habituellement, y compris dans le haut niveau, et ça permet de savoir si on récupère bien, très bien ou pas du tout. Ça permet aussi de savoir le niveau d'entraînement que vous avez. Je regarde tout ça avec vous, et vous réfléchissez sur la réponse. Quelle est la quatrième cause de mortalité mondiale évitable? Quelle est la quatrième cause de mortalité évitable au monde? Allez, je regarde les résultats. Cécile, toujours au top. Waouh, Ghislaine, t'es montée, hein, dis donc. Romain, 120-90. Bon, c'est le secret professionnel, hein, ça reste entre nous. Aurélien n'est pas beaucoup descendu. C'est peut-être avec la chaleur aussi, hein. La chaleur joue sur la récup. Quand il fait très chaud, bah, le cœur reste haut relativement longtemps. Romain pour Cécile. Ok, l'important c'est... c'est la différence entre les deux, en fait. Vous pouvez monter très haut, et ce qui n'est pas un gros mot. Attention, c'est 220 moins l'âge, la fréquence cardiaque maximale, 220 moins l'âge. Et puis, par contre, après, ben, essayez de progresser sur ces indices-là. Je vais vous montrer un petit le résultat du premier quiz, la première question, qui se trouve ici. Voilà. Tant qu'on y est, on va... récupérer de façon utile. Là, vous allez voir que la réponse va s'afficher rapidement. Voilà. Donc Londres 2012. Voilà, la réponse est Mikhailin le Russe qui s'est retrouvé en finale contre Teddy Riner. Voilà, je passe à l'essentiel, c'est-à-dire notre circuit qui nous intéresse. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Quatrième de cause de mortalité mondiale évitable. On se retrouve tout à l'heure après la dernière séquence. Donc maintenant, c'est un petit challenge. Si vous avez déjà des difficultés, essayez de faire light, si vous avez la possibilité de le faire. Donc faites tranquillement si vous êtes fatigué, vous avez... des problèmes respiratoires, surtout en ce moment avec le Covid-19. Donc ne vous aventurez pas dans des côtés obscurs, hein, que vous n'avez jamais atteints. Mais par contre, avec l'entraînement, au fur et à mesure, ça devrait le faire.
On va repartir sur une séquence, dernière séquence courte, qui va durer 15 secondes. Donc, on finit en beauté. Tac. Voilà, 15 secondes de travail, 15 secondes de récup. On ne garde pas, on ne change pas. Par contre, évidemment, maintenant que vous connaissez les exercices, ça va être plus intense parce que vous allez être plus en fréquence. Il n'y aura pas besoin de réfléchir sur la coordination, enfin, j'espère. Quoique, même si c'est le cas, c'est pas grave. Je vais positionner mon chrono ici en full screen. Ok. Now we start for 4 blocks. 15 seconds. Work and 15 seconds rest. We start in a few 10 seconds. Allez, démarrage. Vous le connaissez, c'est ça. Là, là et là. 3, 2, 1. Allez, on a la balance. Ok, le pédalo. Allez, allez, je prends ma petite corde, votre petit objet, la gomme, la télécommande, et on est déjà prêt. 2, 1, go. Voilà, tranquille, ça monte en puissance doucement. Faites-le à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de faire du cardio, vous pouvez faire du renforcement sur les mêmes exercices. 2, 1, stop. Ok. Maintenant, on se positionne sur le step, la marche d'escalier, avec notre régisseur qui va nous mettre la musique. Allez. On est chaud, on est chaud. Suffit d'éteindre et de rallumer. Go. Voilà. Merci à notre régisseur. Three, two, one, go.
petit pas. Ici. Pour les étirements, une musique douce, enfin celle que juste une question d'intensité. Merci la régie, mettez un petit peu de son. Voilà, très bien. Merci Adrien de la régie, tu es le meilleur. Donc c'est Adrien qui organisera la conférence mardi à 18h sur les bienfaits du sport en entreprise cette fois-ci. Ça sera vraiment spécifique pour les entreprises, mais évidemment valable pour tout le monde. Interviendra le cadre dirigeant responsable des achats monde du groupe Essilor, Aurélien Rostein, que je salue, un grand monsieur de l'entreprise dans un grand groupe vertueux comme Essilor. Donc il interviendra avec moi de la même façon que le professeur Versier est intervenu la dernière fois. Mais il y aura d'autres petits intervenants, donc je ferai la surprise évidemment mardi à 18h. Donc c'est Adrien qui sera aux manettes et grâce à lui que ça se fait. Je regarde vos petits commentaires et on passe direct aux étirements. Alors c'est pas terminé. Les 10% du professeur Mercier, c'est-à-dire les étirements, arrivent. Du coup, je vais réutiliser ma chaise ici, mais vous n'êtes pas obligé. Par contre, voilà, moi je vais le faire parce que c'est du mobilier qu'on a tous et qu'on n'utilise pas assez. Je le fais exprès parce que notre particularité, c'est le sport en entreprise. Et je sais que dans les entreprises, on a du mal à se mobiliser. La chaise est toujours d'actualité partout. Et donc c'est utile de le faire toutes les 15 minutes dans le bureau, à partir du moment où on est dans une position sédentaire, même pour les gens qui travaillent de façon physique. Réponse au quiz, quatrième cause de mortalité mondiale évitable, c'est la sédentarité, 80 milliards de dépenses pour les entreprises, mais c'est surtout quatrième cause de mortalité évitable, plus que le tabac. Donc on dit fumer, rester assis tue plus que le tabac. C'est un petit peu la formule qui est utilisée, mais c'est ce classement. Taux de mortalité évitable, quatrième cause de mortalité au monde. La sédentarité, c'est-à-dire quand on y reste trop immobile, et c'est le cas en ce moment dans le confinement. On reprend les petits protocoles d'étirement. Ici, on se positionne face à la chaise et on vient ici éventuellement prendre le... Je vais mettre le pied là. Ici, voilà, vous pouvez prendre le
le dossier si ça glisse ou si vous voulez être plus confortable. L'idéal c'est de se retrouver un peu plus dans le vide, mais si vous reculez suffisamment la jambe arrière, là on a un bel étirement aussi. Voilà, on reste là-dessus. Alors on tient à peu près 30 secondes sur chaque exo, même s'il faudrait beaucoup plus, mais on y serait jusqu'à 14 heures. Voilà, une fois qu'on est là, on repositionne le pied de façon un peu plus stable ici. Et là, on va venir à l'opposé. Toujours pareil, le même exercice de déverrouillage du bassin et qui en même temps permet un peu plus de d'étirement ici sur le bas des hanches. Voilà, on se redresse tranquillement. On va venir ensuite ici, les jambes tendues, cheville flex, c'est-à-dire le pied relevé, cheville flex. Je parle pour les enfants qui n'ont pas forcément ces notions-là. Alors les enfants, les étirements pour vous, c'est très important parce que le canapé n'est pas forcément bon pour s'étirer. Et après, vous allez déjà pas avoir envie de faire du sport. Et en plus, vous allez avoir des problèmes de dos très rapidement. Vous êtes raide comme des piquets pour être intervenu beaucoup dans les établissements scolaires avec le Cheese and Sport Truck. Je peux vous dire qu'il y a du boulot. Les jeunes, vous les jeunes, les enfants, vous avez 30% de capacité physique en moins que moi à votre époque, quand j'avais votre âge. Donc je peux vous courir après sans problème. Et vos parents aussi, mais vous, vous n'êtes pas en capacité de les suivre, normalement. Ok, on se met sur le côté, ici. Donc dimanche, on parle aux familles, on parle aux enfants, on parle aux adolescents, aux parents, aux jeunes. C'est de l'intergénérationnel, la salle 3S. Le studio 3S, c'est du sportif, social et solidaire. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et au contraire, si moi, ma médaille olympique, c'est de voir les gens, les personnes qui n'ont jamais fait de sport et qui, au travers de ces petites initiatives, se mettent à faire de l'activité physique, tout simplement. Même si ça reste du jardinage ou du bricolage, ça me va. Ou du ménage, messieurs. Ok ? On va tourner le dos maintenant à la chaise. Par contre, j'ai besoin d'une petite serviette pour mon petit genou, puisque j'ai mis le short aujourd'hui en plus. Et donc là, je vais me positionner ici, avec la pointe des pieds sur le rebord ici, et le genou au sol. Si votre chaise n'est pas trop haute, normalement ça doit le faire. Et là, on est à nouveau un étirement antérieur, c'est un très très bel étirement qui permet en plus de se mobiliser un petit peu plus vers l'avant, toujours avec la bascule du bassin vers l'avant si possible. C'est pas toujours possible, mais il faut tendre vers cette bascule du bassin dans cette direction, comme ça, là. Et là on a vraiment l'étirement des quadriceps qu'on n'avait pas tout à l'heure, et évidemment le psoas iliac et puis les intercostales ici, tout en respirant bien fort pour bien récupérer. La respiration se fait toute seule à l'effort, mais parfois il faut la provoquer, surtout en ce qui me concerne, puisque je parle en même temps et c'est pas facile. Voilà. On va ensuite passer à l'autre jambe. On fait les deux pour cet exercice. Et on va se positionner ici de la même façon. Voilà. En fente avant. Avec la jambe légèrement relevée. Mais vous voyez qu'il y a un espace ici qui est important. Et il faut absolument qu'il y ait cet espace-là. On n'est pas fléchi complètement sur la jambe, ce qui pourrait poser un petit souci. Alors on peut venir croiser un petit peu, pareil, en opposition. Et surtout bien respirer. La respiration va vous donner de l'amplitude aussi articulaire, parce que ça va vous permettre de vous relâcher. Et pendant le relâchement, c'est ce qui va vous donner ce petit plus sur les étirements. Voilà, hop. Je décroche le pied et maintenant je vais me retrouver face à la chaise. Voilà, et là je vais travailler le haut du corps, ici, ici, là. Voilà, on reste dans cette position. On est à relâcher au niveau ici des épaules, si possible, avec une petite ouverture. Mais comme je suis très 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 raide des épaules, malgré trois opérations, j'arrive pas à retrouver une souplesse que je n'ai jamais eue. Et donc j'essaye en tout cas de la maintenir. Voilà, on se redresse à nouveau. Maintenant on va se concentrer sur un bras. Ici on pose le coude tout simplement, puis on descend l'épaule
vers l'assise, ici, et je vais tourner la tête du côté opposé, c'est-à-dire vous regardez. En même temps, je me concentre sur uniquement le bras droit en ce qui me concerne. Voilà. Et ensuite, je vais passer sur l'autre bras, ce qui permettra de vous regarder, observer pendant les étirements. Ne quittez pas avant les étirements, s'il vous plaît, c'est important. Ça permet de mieux récupérer, ça permet de, aussi de se, mieux se sentir, d'avoir moins de, d'impact physique au niveau de la séance. Donc c'est faire descendre le curseur de façon active et profitable, bénéfique en tout cas pour le corps et les articulations qui ont été pas mal sollicitées. On va ensuite repartir sur la deuxième jambe comme on l'avait fait au départ, ici. Toujours avec cette bascule du bassin, donc les enfants, le côté de la jambe va appuyer vers le sol. Le deuxième côté ici à ma droite va rester forcément vertical, mais vous voyez la hanche qui est dans le vide, elle va essayer d'être basculée un petit peu vers le bas, ce qui va étirer ici les adducteurs, là, avec la pointe des pieds légèrement vers le haut. Cheville flex ou pas, mais on relâche en tout cas la cheville. On reste là, vous pouvez agrémenter ça par un petit peu plus d'étirement sur le côté, on ne l'a pas fait sur la première jambe, mais c'est toujours intéressant de voir où on en est sur le plan de l'amplitude articulaire, notamment lorsqu'on est chaud, il faut en profiter pour essayer de gagner un petit peu de flexibilité. Ok, maintenant on va regarder cette belle chaise de jardin. Et venir faire un petit enroulement ici au niveau du dos, donc la tête, le crâne, les cervicales, l'axis, l'atlas pour les kinés, et puis ensuite le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, et ensuite les fessiers, les ischios jambiers, d'accord? Donc on inspire très fort ici et on descend doucement avec la tête, le haut, le milieu. Sans être tendu, on est hyper relâché, les bras sont attirés par la traction. On pose ici tranquillement. Voilà. Et si on a de la marge, on descend encore un petit peu. On repositionne la chaise. Et là, on essaye de gagner en souplesse vers le bas. Sachant que vous risquez rien parce que vous avez un appui au niveau des mains. Et le dos n'est pas un porte-à-faux. On a 4 points d'appui. 4 points d'appui pour plus de souplesse, ce qui permet de contrôler en même temps la descente. Voilà, on relâche, on repositionne le dos ici et on va se mettre à genoux. Toujours la même cérémonie. Je vais pas salir mes valeurs. Voilà, on se met à genoux tranquillement, on récupère. On pense à autre chose et on va commencer à tourner légèrement la tête, les épaules basses. Voilà, de l'autre côté, on essaye de faire le vide. On reste ici, on ferme les yeux. On inspire fort. On souffle et on va se positionner sur le dos pour le dernier exercice. Alors, on met deux jambes tendues, ici, une jambe fléchie. Le pied va se loger dans le creux popliteux, le creux du genou ici. Et je vais venir chercher comme au starfish, pas la cheville, mais le genou, pour le ramener ici, à l'opposé, tout en regardant ici du côté opposé. On inspire bien et on relâche tout. On se redresse, on inverse les jambes, la pointe des pieds dans le creux popliteux, dans le creux du genou.
on vient chercher la base de la rotule où il y a un petit creux. Et mécaniquement, sans effort, on ramène le genou par-dessus et sur le côté, tout en regardant le côté opposé, c'est-à-dire celui du bras tendu. Grosse inspiration et on essaye de gagner du terrain en soufflant. On se remet sur le dos, on fléchit les jambes. Ici, vous regardez. Donc là, soit je me relève comme ça, avec les mains, et je me casse la figure. Soit je me relève comme ça, avec une jambe fléchie, et je me mets à genoux face à vous. En vous souhaitant un très bon dimanche, et je vous donne rendez-vous. Donc vous avez rendez-vous demain à 11h avec Stéphanie pour du renforcement musculaire. Et moi, je vous retrouve mardi pour la conférence débat sur les bienfaits du sport en entreprise. Mais évidemment, si vous avez des questions qui dépassent le cadre de l'entreprise, il ne faudra pas hésiter. Je serai accompagné du responsable des achats monde du groupe Essilor, Aurélien Rostein, qui a la gentillesse d'être présent mardi à 18h pour la conférence débat sur facebook.com. Schlass Sport Management System. Très bon dimanche, bon week-end de Pâques et sachez que demain, nous sommes sur le pont pour la séance à 11h avec Stéphanie. À bientôt.